Bonjour à tous. C'est marrant comme une chose en entraîne une autre parfois et au fur et à mesure que vous avez besoin de faire ceci avant de pouvoir faire cela, avant de pouvoir faire cela, vous finissez par vous écarter de votre but initial. Là par exemple, oui, c'est un peu bizarre en fait, dans la dernière version il y a le minecart qui reste coincé là, je comprends pas pourquoi. Bon, c'est un peu étroit mais bon, bref. J'étais en train d'explorer des cavernes du côté de chez Momotrac. Dites, ça vous dérangerait pas de... Hein? Non mais... Et... J'ai perdu ma pioche Silk Touch, parce qu'elle était arrivée à la fin de sa vie, paix à son âme. Et puis, du coup, je me suis dit, bah, je vais aller faire des enchantements. Et puis, je me suis rendu compte que c'était très agaçant de devoir donner des coups de poing aux Enderman comme ça. Je me suis dit, mais enfin, pourquoi est-ce que tout le monde fait ça? Pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place simplement leur jeter des potions de dommages à la figure, quoi? C'est pas compliqué, ce serait quand même bien plus efficace. Du coup, je suis revenu récupérer tout ce qui était nécessaire pour mettre en place une station, non pas d'épuration, mais de potions, dans notre ferme à Enderman. Et je me suis rendu compte que je n'avais quasiment pas de champignons. Et de fait, ce n'est que très récemment que nous avons trouvé une île Mushroom, et donc je vais pouvoir mettre en place ici, sur l'île ferme, une petite ferme à champignons, c'est-à-dire quelque chose d'assez simple, hein. On va pas non plus faire dans l'industriel ou avec des pistons ou de je ne sais pas quoi, non, un truc tout con, hein. Mais bon, voilà, de quoi se faire des petits champignons, quoi. Hop, alors, pour ça, l'île est devenue un peu trop étroite, un peu trop petite, un peu trop exiguë. Je vais donc artificiellement l'agrandir, parce que... Si j'avais été malin, à l'origine, j'aurais construit les fermes sur l'île là-bas, et les animaux, je les aurais mis ici, parce qu'ils ont probablement besoin de moins de place. Mais bon, voilà. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Voilà. Gardons un petit côté naturel, inutile de faire des bêtes rectangles, ce sera plus joli comme ceci. Et voilà, une stack partie. Toi, il faudra que je vienne te chercher, toi. Non pas parce que j'en ai besoin, mais voilà, par souci de faire des collections et toujours garder le maximum de trucs dans ces coffres. Oh, c'était pas là que je voulais. Ouais, comme ça. Ouh, turbo herbe. Top, viens avec moi, mais enfin. L'herbe est rapide et la torche est lente aujourd'hui. C'est un vieux proverbe chinois. Hop, voilà. Comme ça, c'est déjà bien. C'est un peu kiki, hein. Moi, je voudrais bien... ouais. Faire un carré de cobblestone comme ça aussi, ici. Pour entourer le mycélium, pour éviter qu'il se répande. Enfin, non, il se répandra pas, mais bon. Voilà, pour entourer le mycélium, parce que ça sera plus joli. Et puis c'est tout. Et puis je vais pas me justifier non plus, oh. Mais par contre... Bon. Bah, je pense pas que je puisse mettre les deux coffres dos à dos. Donc le coffre concernant les champignons serait là. Et puis... on va faire un... Ouais, ça commence là alors, c'est ça? Oui. Ok, bon bah. Désolé la terre, il va déjà falloir vous barrer. Merci beaucoup. 1, 2, 3, 4 et 5 alors. Sur un truc comme ça pour qu'il y ait un carré de 3 sur 3. 1, 2, 3, tac. Oui. Oui, donc il va falloir plus de terre alors, hein. On est bien d'accord, on est bien d'accord. Oh, j'enterre du sable. Moi et mon fétichisme du sable, ça me perdra un jour. J'ai quand même pas mal de fétichismes différents dans Minecraft. Le sable, les coffres. Oh, les coffres, je peux pas en laisser dans les
dans les donjons, dans les mines abandonnées, etc. C'est pas possible, hein. Il faut absolument que je les récupère. La ficelle, tout ça. La poudre. Alors que je n'en fais jamais rien. Bon. Alors, 1, 2, 3. Oups, je suis dans le chemin. Voilà. Comme ceci. C'est du mycélium que tu dois mettre là en douille. Ah oui, non, c'est pas la bonne pelle. Voilà. Tu l'as pas apporté pour rien, hein. Voilà. Quant à ici, bon, on va agrandir un peu, hein. Wow. C'est moi ou l'eau vient de changer de couleur brusquement comme ça? Il y a eu un truc, non? Je sais pas. Il y a des fois, j'ai des illusions d'optique comme ça, c'est flippant. Je sais pas. Ouais. Voilà, bon, admettons, hein, c'est pas hyper classe, mais ça passe. Et ici. Bien. À présent, éclairage. Éclairage. Là, c'est pas dans le chemin, c'est bien. Ah oui, mais toi, t'es pas assez clair, toi, hein, non? Oh non, oh non. Comme ça? Ouais. Faudrait que je vienne mettre des potirons partout ici, plutôt que d'avoir des torches. Je préfère encore les potirons. Ça a bien changé, il fut un temps où je supportais pas voir des potirons partout, mais bon. Alors, voilà qui est fait. À présent, nous avons. On va laisser ça ici, on ne sait jamais. Voilà, comme ça. Là, il faudra que j'apporte du bone meal. Ah, j'ai oublié de remettre ça dans un coffre. Ça, je vais le mettre ailleurs. Il me reste à faire fonctionner le bone meal. Alors, tac tac tac. Pouf. Et j'ai apporté une pelle qui est fortune 3. C'est la pelle totalement inutile. C'est absolument absurde. Voilà. Du coup, elle va servir. Enfin, j'espère. Ah oui, il faudra que je pense à ne pas laisser de champignons parce que sinon il fera trop sombre au sommet et donc le champignon pourrait faire apparaître des mobs. Bon, pas très, hein? Ça donne pas des masses, hein, gars. Travaille un petit peu, allez. Faudra que j'agrandisse, à mon avis, l'herbe autour parce que sinon les champignons risquent de tomber dans l'eau. Alors ça nous en fait 18 champignons. Oh. 20 champignons. Allez, c'est gentil comme ça, 20 champignons, hein. Ah ouais, mais il m'en faudra plus. Bon, bah genre, je, juste après. Juste après, hors caméra, pour pas vous ennuyer. Et c'est... Ah ouais. Allez, repousse le mycélium, repousse! C'est pour ça que j'ai amené du mycélium, c'est parce que ici, je peux pas mettre de champignons. Vous allez me dire, je pourrais en mettre un là. Et le temps que j'ai traité ce champignon-là, il y a celui-là qui aura repoussé. Bah oui. Ouh. C'est quand même joli, hein, ces gros champignons. Oui, j'aime bien, moi. C'est trop ma mignon. Hop là. Bon, jusqu'ici, c'était pas non plus hyper fondamental d'avoir une ferme à champignons. J'appelle pas ça une ferme à champignons d'ailleurs, c'est plutôt une petite facilité, hein. Vous pouvez faire ça n'importe où, mais tant qu'à faire, autant mettre ça dans une ferme. Et allez, on y est presque. Go. Je pense qu'un de ces jours, je vais aller planter des champignons géants quelque part, faire une espèce de champ de champignons géants, ça va être trop mignon. 15 champignons. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah non, oui, mais non, mais j'oublie toujours le tronc sur lequel je suis assis. Enfin, posé. Bon. Eh ben, je vais continuer comme ça parce que j'ai besoin d'une stack de champignons bruns.
Et je vais donc faire ça hors caméra pour pas vous brouiller les côtes. Dis donc, mais tu repousses pas, mon gars? C'est pas possible, ça. Ça doit pousser le missilium, ça se répand sur la Terre, non? Des hommes de bonne volonté. Allez! Enfin, allez! Bon, on va attendre un moment pour voir si ça se répand ou pas. Conclusion. Oui, le mycélium, ça se répand, mais ça prend son temps. Bon, je vais récolter des champignons bruns. Il m'en faut une stack. Et puis, nous continuerons ensuite. À tout de suite. Quand je vous disais qu'on s'éloigne de plus en plus de son objectif pour finir par y revenir par une boucle, par un détour monstrueux. J'avais des potirons ici, j'avais des torches. Je me suis dit, bah, passons à la technologie d'Halloween, hein. Donc vous avez vu, il y a toute une série de torches qui ont disparu et qui ont été remplacées par des potirons. Mais bon, il en manque encore. Je vais pas tous les faire à mon avis. Alors, où est-ce qu'il y a des... Ici. On va essayer de pas se piquer parce que ces saloperies font bobo. Voilà. Merci. Là, de toute façon, cette ferme de cactus, moi, elle est juste là pour faire joli, hein. Parce que franchement, à part faire de la couleur verte, ouais. Bon, ça, par contre, c'est pas très classe. Ah non, va pas sur le cactus, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Ici, bah, je vais en mettre un là, hein. Pop. Du coup, celui-là devient inutile, je confirme. Tout à fait, pas d'emplacement. Bon, là par contre, si je mets un potiron dans le sol, il y a le machin ici qui refusera de pousser. Donc pour l'instant, je vais le laisser. Tout comme ceci, bien que casse un petit peu les pieds-pieds parce que parfois il y a des trucs qui tombent là, ça m'agace. Ça m'agace. Ça m'agace. Alors, ici, pff, ouais. Ouais, mais ouais. Mais ouais. Ah, là par contre, on pourrait peut-être 1, 2, 3, 4, 5. Allez, oui. Admettons. C'est pas très... C'est pas super bien organisé, ça me met un peu... Ah, vous là, vous. Pouf. Bon, bah tant pis, hein. Ouais, mettons. Sinon, bon, il y en a un qui traîne encore ici, je sais pas trop, ouais. Ouais, ça. Je pourrais en mettre une ici, mais bon. Pour l'instant, j'y réfléchirai. Là, tout ça a changé, tout ça a changé. Ici, ça a changé aussi. Là, j'ai un petit peu agrandi parce que quand les sapins ici, le sapin du coin pousse et que c'est un très large, bah, je suis obligé de sauter dans l'eau, ça m'agace. Vous, c'est bon. Là, ok. Grâce au fait de mettre des potirons, j'ai récupéré de la terre, ce qui m'a permis d'agrandir, d'élargir un petit peu ici. Wouhou! Il reste une ici, j'ai pas encore décidé. Là non plus, j'ai pas encore tout décidé. Là, il y en a plein. Je déciderai plus tard. Là, par contre, je sens bien que je vais être au-dessus d'un trou. Hein, oui. Eh oui. Eh oui, avec de la redstone et tout. Bon. Hop. Voilà. On n'a rien vu. Là, par contre, je crois pas. Je crois que je peux pas. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. C'est un peu sombre ici. Hein. Ouais. Un petit peu. Est-ce qu'il y a d'autres torches dans le coin? Bof. Boah. Voilà, ça sera très joli. Comme on disait dans le Grand Bleu, t'as rien d'autre de toute façon. Bon, bah alors c'est très joli. Voilà. Parce que je crois que c'est très classe l'expression utilisée, mais. C'est très classe un smoking avec des baskets. T'as rien d'autre de toute façon. Donc c'est très classe. Avanti. Voilà. Bon, champignons! On y revient. Si, je vais faire des champignons, je vous jure. A tout de suite. Note pour plus tard. Une pelle Fortune 3, c'est bien, mais une pelle Efficiency 4,
C'est quand même plus agréable. Ah, il n'y a pas photo, hein? Sur les champignons, c'est clarinette, hein? Ouh là 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 là. Et je sais même pas si l'effet fortune influence la récupération des champis. Aucune idée. Faudrait que je vérifie sur la wiki, tiens. Je suis tombé sur le tableau d'ailleurs hier de tout ce qui était influencé par le Silk Touch, etc. ou par les fortunes. J'aurais dû regarder ça. Bref, nous voici à 64. Je repasserai une autre fois faire des champis. Là, j'ai ce dont j'ai besoin. Du coup, eh bien, allons-y, Alonso. Oui, mais je repars avec le bonne mine, c'est pas bien. Bonne mine, il est censé rester là. Voilà. Est-ce que j'aurais autre chose de. Non, il semble pas. Bon. Ah oui, du coup, hop, voilà. Ici. Un petit peu de ça, un petit peu de ça. Ça, c'est pas besoin. Ah, ok, c'est un calmar. Je me demandais ce que je voyais. Des barrières. Non, est-ce que j'ai pas des barrières ici? Voilà. C'est ça. Vous voyez, ça, il nous en manque des yeux d'araignée. C'est. On a des fermes d'araignées, mais elles ne fonctionnent pas. Et de toute façon, pour que les araignées laissent tomber un zozeuil, lâchent un œil, eh bien, il faut les tuer soi-même. Et pas qu'elles meurent, par exemple, dans la lave ou un truc comme ça. On n'a pas encore mis en place un truc pour ça. Va falloir y réfléchir, hein, parce que. Les potions de dommages, c'est fait avec des fermented spider eye, donc des yeux pourris, fermentés, machin chose. Et pour les obtenir, il faut des champignons, des yeux d'araignée. Et malgré ma façon de récupérer tout le loot que je peux, eh bien j'en ai quasiment pas en fait. Je viens de consacrer une stack entière, je vais consacrer une stack entière à faire. Des potions, mais. J'ai pas grand chose. Attendez. Tant que j'y suis, je vide un peu mon inventaire. Voilà. Ça. À mon avis, j'en aurais plus besoin. Voilà. Alors, il nous faut aussi. Laissez-moi voir. Il me faut aussi du sucre. Une stack de sucre. D'accord. Ah non, c'est dans le. Non, c'est dans là. Ah. Voilà. Oh la vache! C'est tout ce que j'ai. Mais c'est pas possible! Enfin. Oh. Bon. Encore un détour. On va passer par la ferme de canne à sucre. Non, je vais pas passer par canne, évidemment. Oh là là. Ah, j'ai encore cette satanée pelle sur moi. C'est pas vrai.